Salut tout le monde, c'est moi, l'Asiatique francophone qui habite aux États-Unis et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne de basketball. Je suis un autiste, j'ai le syndrome d'Asperger et aujourd'hui je veux focaliser sur une compétence de basket que j'adore énormément, les tirs de lancer franc à la cuillère. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti! Et voilà pour un autre épisode de séance de tirs de lancer franc à la cuillère. Vous avez déjà vu ce maillot dans la vidéo précédente de tir de lancer franc. C'est le fils de Rick Berry. Il s'appelle Kenyon Berry, un fils de son deuxième mariage. Et c'est le seul de ses fils de tirer style à la cuillère. Alors, comme j'ai déjà dit, trois compétences de basketball que j'adore que j'ai supprimées du basket traditionnel que je pratique de ma propre manière. Saut vertical maximal, tir de près, de basique à hyper créatif, et bien sûr, les tirs de lancer franc à la cuillère. C'est tout simplement ça. J'adore faire le tir de lancer franc à la cuillère. C'est unique, personne ne le fait. Et comme j'ai déjà dit, à part Kenyon Berry, il y a un autre basketteur américain d'origine nigérienne, il s'appelle Chinanu Onuaku. Alors c'était... Il a officiellement fait ses tirs de lancer franc à la cuillère. Et pour la preuve, je vais fournir deux vidéos dans la barre de description en bas pour vous montrer qu'il a vraiment fait ses lancers francs à la cuillère. Bon, je vais faire une petite séance moi-même, à peu près 15 ou 20 tentatives, et c'est tout. c'est l'entraînement qui compte, c'est le voyage et non pas la destination. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti! Et ben voilà, c'est une bonne séance pour moi. J'en ai raté plus que j'en ai réussi, mais je m'en fous. Je vais continuer à faire ces tirs et continuer à m'améliorer le meilleur possible que je peux faire. J'adore le basketball, rien ne va m'empêcher de pratiquer de ma propre manière. Si certains d'entre vous ou les gens autour là vont se moquer de moi pour tirer de cette manière, ils peuvent aller se faire foutre, c'est tout. Et je dis ça calmement, avec conviction, avec confiance, que j'adore le basket de ma propre manière. Comme j'ai dit, personne ne va m'empêcher de pratiquer de ma propre manière. Je vous souhaite à vous tous une bonne journée. Bye bye, ciao ciao, et je vous vois la prochaine vidéo.